Ok, donc j'ai fait SME. La vidéo est super longue, il y a tellement de trucs à montrer. Et encore, je pense que j'ai oublié quelques trucs. J'ai fait au maximum. Ça m'a pris énormément de temps. Je crois qu'en tout ça va faire plus de 50 minutes ou à peu près 50 minutes. Donc, ça se regarde pas en une fois, c'est compliqué. Et bon courage à ceux qui vont regarder ça. Ok, alors ici on a deux maisons. On peut faire le glitch par la fenêtre. On saute, on s'allonge au rebord, mais on maintient espace, on recule et hop, ça nous volte. Il y a un peu des murs invisibles, il faut jouer avec les textures. Alors il y a cette maison là aussi, qui est juste à côté de l'autre qu'on vient de faire. Et il me semble que celle-ci on est bloqué. Sur le tour on peut pas faire grand chose, donc on saute, on recule. Hop, on peut rien faire. C'est pareil, hein, la maison juste à côté. On pourra faire un glitch encore une fois. Hop, on est sur le toit. Encore une maison là. Sur le manger. On est sur le toit. Alors ici c'est un peu moins connu. On peut monter sur ça. En un coup comme ça. Hop, on arrive sur ce toit là. Ou alors on peut sauter des caisses et venir sur le toit là. Pareil, on peut aller sur ce toit-là en venant là, hop, on saute, on peut venir là. Pareil dans l'autre sens. On peut venir sauter sur ça. Sur ça. Ici, on peut venir chercher le saut. Je fais un petit trick sur les petites maisons comme ça, on peut passer là. Alors, cette maison-là, on peut pareil encore faire les glitch. De toute façon, ça va être beaucoup ça. Et on est bloqué en haut. Alors, ici il y a une petite maison qui fait un peu cachette. Soit on monte par la brouette, soit on peut monter là directement sur le mur et on est un peu caché dans les feuilles ici. Bon, ici c'est très simple, on peut monter directement sur la voiture comme ça et sauter sur ce toit là. Et on peut aussi aller sur celui-ci. Voilà, je me suis blessé. Hop, on saute sur la pierre ici. Ou bien on saute, on s'allonge dans le coin. Alors, encore avec le nouveau glitch. Ici, comme d'hab, on vient. On monte, soit allongé dans le coin, on recule avec la touche espace enfoncé, et on y est. Ensuite, on peut aller sur le petit tour en face. Donc, il y a plusieurs techniques, hein. Soit on vient là, hop, on saute, tout simple. Soit on peut venir ici, hop, on fait un saut. À partir d'ici, on se met sur les petits pots, hop. Plein de méthodes. Alors ici aussi une tire très simple, hein. On peut venir monter sur ça, monter sur ce toit là. Hop. On peut pareil pour celui-ci, on peut passer par ici. Hop, tout simple. Alors sur ce tir aussi une petite maison là, on peut venir monter dessus, vous venez là, vous prenez ça sur le côté, vous sautez. Et bon, après vous sautez sur le toit. Pour monter sur les murets du cimetière, pour venir se cacher dans les buissons, c'est très simple. On vient à peu près à une petite hauteur sur les pierres et on saute sur les murets. Après, il y a d'autres méthodes, on peut très bien monter sur les tombes. Tac. Alors, ici, on peut monter sur ça, donc on vient, on saute en première fois sur ça, on peut venir de la fenêtre ici. Et on va venir sauter, c'est manger dans le coin. Alors, ici, il y a pas mal de trucs. Donc, on peut venir là. Un premier temps, tac, on monte là. Ici, on peut venir sauter, c'est manger. On a une petite décale comme ça, pas grand chose, mais on peut toujours voir ça. On monte là, ici, ici. On va regarder à peu près dans ce sens là. On va se laisser glisser et sauter, s'allonger. Hop, on est sur le toit. Bien sûr, on peut faire la technique de la fenêtre sur ce genre de maison. Si vous voulez, je vous prends la tête. Ici, on a un pipe. On va venir sauter là. Tac, maintenant encore une petite décale. Bon bah là il y a un pipe. Tac. Et on peut monter. Faut y penser, ces petits toits ils peuvent être utiles pour les MG par exemple. Alors, juste à côté ici, une petite maison, on peut refaire le glitch. Hein. Mais bon, on risque de bloquer. Et hop, on est bloqué un petit peu sur le toit, on peut pas aller plus loin. Bon pareil, on peut encore une petite maison avec un petit pipe, tac, on vient là-haut. On saute là. On arrête ça tout ça. Oui, là il y a un truc que je vais montrer pour ceux qui connaissent pas.
Donc là on peut monter là pour essayer de passer par ici. Et ici, quand vous êtes ici, vous n'êtes pas forcément bloqué, vous pouvez monter là. Il faut les prendre comme ça. Vous pouvez passer. Et là vous pouvez monter ici. Et oula. Et vous êtes bloqué. Petite courbe aussi, vous pouvez passer par là. Là. Tac. Tac. À côté, il y a des maisons. Il y a celle-ci. On va refaire le glitch. Là. Ok, j'ai raté. Saut allongé. Hop, on est sur le toit. Alors, de ce côté-là, il y a encore une maison. Quasiment que ça, c'est même. Tac. Songer. Et hop, on est encore sur le toit. Pareil, il faut encore venir jouer avec les trucs. Pour moi, ça a pas mal de choses. Alors, toujours ici, hein, y a plusieurs pipes, on peut venir sur cette maison. On peut venir aussi sur celle-ci, tac. Pipe. Et on peut sauter. Ici aussi, tu vois. Ici, je ne sais pas pourquoi on peut pas aller sur cette maison. On peut aller que sur le petit toit ici. On peut monter sur ce petit toit là, hop, sur le muret. On peut sauter juste ici, hein. Hop, ça monte. Pareil, une petite maison là, tac. On a sur le toit. On a une bonne décale ici par contre. Alors ici. On peut venir monter là. On peut venir sur cette maison là à partir des fenêtres. Non, bon, je vais pas montrer, je vais prendre les fenêtres. On peut venir ici. Et on peut venir sauter là. Hop, on peut être sur la maison. Pareil pour celle-ci. On sort sur le muret. Hop, on arrive sur le toit. Vous pouvez venir encore sur ces maisons là. Donc, vous venez sauter sur le muret. Vous êtes très limité là. Vous pouvez sauter et vous allonger dans le coin normalement. Là, vous pouvez pas vraiment aller sur le toit. Ah, mais derrière, c'est une bonne planque ici. Pour réguler. Bah, c'est quoi? Là c'est comme tout à l'heure, il y a un pipe, on peut monter là, là, là. Cette maison, pareil, on peut encore passer par la fenêtre, mais je vais vous montrer la méthode pour y aller sans par la fenêtre. Donc on passe là, on saute, on s'allonge dans le coin. Et voilà. On est sur ce toit là sans glitch. Hein. Je vais vous montrer pour en face. Donc pareil, si on peut glitcher la fenêtre. S'allonger, on monte là, ici, tac, hop, on est sur le toit, on peut monter sur la cheminée, mettre un MG, on peut venir là, hop, on saute, hop, on est sur le toit là. Alors dans ce complexe là, pareil, il y a encore pas mal de maisons, donc on vient ici, on peut monter sur ce truc là, sans forcément glitcher ni rien. Pareil, on peut faire la fenêtre s'il faut. Ensuite, là on peut monter sur ce toit là, toujours avec le pipe. Et pareil pour en face, c'est encore un pipe. C'est pour ça que c'est vraiment important le pipe sur cette map. Et là on est bloqué. Donc encore une fois, on peut venir monter sur cette maison. Toujours avec le glitch. Allonger, maintien espace. On y est. Alors ici, il y a une petite cachette sympa. Vous venez juste là sur le muret. En fait, avec les feuilles, vous êtes du mal à visible. Et vous avez une bonne ligne sur les gens qui passent la route. Alors sur cette ligne, il y a quelques maisons, je vais vous les montrer. Donc là, on peut monter là. Ici, soit accroupi ou soit allongé.
que cette maison là en fait on peut la glitcher en passant par au dessus. Par la fenêtre pardon. Mais pareil pour celle-ci au final, mais je vous montre la méthode pour aller sans glitcher. Donc vous venez sur ça, se longer dans le coin ici. Vous sautez sur la cheminée, vous partez là, vous tournez à droite et quand vous sautez, vous allez atterrir là. Faut sauter, s'allonger sur ça. Voilà. Et donc là, vous pouvez passer par la fenêtre si vous voulez. Et vous pouvez rentrer ici, et vous pouvez même poser une garni ici. Ou un AP. Et les gens pour ressortir passent par la fenêtre. Encore une fois, on peut monter là, on peut monter sur ça. On peut venir là aussi. Enfin, tous les petits trucs comme ça est accessible. Il faut juste avoir un peu d'imagination et puis un peu de test en particulier. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est ces maisons-là. Donc, on monte là. Tac. Ici, saut allongé. Hop, on passe à travers. Et voilà, on a accès à tous ces toits-là. On passe à travers ça. On peut venir sauter là, on peut se mettre là, peu importe. Tout est accessible. Alors, ici, pas mal de trucs. Cette maison, on peut la glitcher. Comme presque toutes les maisons, en fait. Hein. Je les montre, mais c'est toujours la même chose. Donc, voilà, on peut aller sur ce toit-là, on peut venir ici. Ici, pour y accéder, c'est pas... Il faut courir. Quand vous êtes sur cette pierre, vous commencez à sauter. Voilà, il vous vole. Vous avez une bonne décale ici. Vous pouvez aller jusque là. Vous pouvez pas faire grand chose. Et vous pouvez venir ici comme ça. En fait, il y a un mur invisible à droite. Et vous pouvez vous cacher là. Et tenir une bonne ligne ici. Ensuite. Cette maison. Pareil, on la glitch. Elle va donner accès à pas mal de toits. Donc, soit allongé. On recule. Maintenant, espace. Hop, encore une fois, on est sur un toit. Ici, elles sont physiques, les cheminées, on peut pas les traverser. Donc, on peut aller jusqu'au bout. Je vais pas vous montrer jusqu'au bout. Et il me semble qu'à gauche, on peut y aller, mais on est bloqué par un mur invisible au bout d'un moment. Ouais, c'est ça. Voilà, je suis bloqué par un mur invisible. À vous d'essayer de tester des trucs si vous voulez essayer de passer. Petit tricks de passage, à cet endroit-là, on peut venir sauter sur le muret. En faisant ça. En sautant à partir de là, en fait. Vous sautez à partir de là, et vous maintenez espace, plutôt que faire le tour par là ou par là. Et voilà. Dans ce complexe-là, bah, il y a pas mal de trucs encore. C'est des petits trucs. Donc ici, on peut venir monter là, pour avoir une décale, par exemple. Ici, on a un pipe, on peut monter là. Ou alors on prend les tonneaux, c'est plus simple. On a une bonne décale ici quand on arrive en début de partie. Pareil pour là, pour les mecs qui sortent du champ. On peut passer par un pipe qui est en dessous de moi là. On peut aller là. On peut, à partir de là, monter là. On peut passer là comme ça, avoir une bonne décale encore ici. On peut monter sur ce toit. À côté. Ici on peut passer par là. Donc on peut monter sur le muret, monter sur ça. Et encore une fois, on a une bonne gestion ici. Ici on peut monter à partir du pipe. Donc on monte sur le pipe. Tac. Et on vient choper le coin, comme d'hab. Et hop, encore une bonne gestion de. Alors ici, très simple. Charrette, on peut monter là. Ici, un truc simple aussi à montrer, c'est que vous pouvez venir sur le mur là, si vous avez une décale sur la route. On n'y voit pas grand chose. A partir de ce muret, vous pouvez tenir ces lignes là, il y a des trous dans le feuillage. Très simple. Cette maison-ci, on peut accéder au toit, mais on peut pas très bien se déplacer, vous allez voir, c'est une fissure dans le toit. Tac. Et on est très limité. Une maison qu'on va glitcher. Ouais, je sais pas pourquoi, depuis la magie, un petit muret. Alors, soit allongé.
Bah tiens, c'est pas je recule. Et voilà. Ici, pareil, accessible avec le pipe. On vient, on monte. Pareil là. Alors de ce côté-là, on a un pipe, un banc. Enfin bref, on peut monter par plusieurs méthodes et on peut venir se foutre dans le coin là, qui est très très fort. Alors comment monter sur ce toit-là? On vient sur les pots, sauter en s'allonge sur la brouette. Hop, on saute tout simplement, on est sur le toit. Alors pour cette maison là, vous pouvez faire le glitch de la fenêtre, mais vous serez bloqué à la fenêtre, du coup je la montrerai pas. Pour monter sur ça, c'est très simple. Ici pour le passer, ce mur il est très chiant parce qu'il peut toujours passer sur le côté. Vous sautez ou vous allongez sur comme ça. Hop, vous pouvez monter là. Non, je vais pas vous montrer. Et vous pouvez aussi venir là, tenir une ligne. Bon, je vais le faire quand même. Vous avez une vue comme ça. D'ailleurs pareil, vous pouvez passer sur les barrières là et monter sur ça là. Espèce de serre. Alors pour monter sur ce toit là, très simple, on peut venir là, on vient sur le muret. Ou hop sur le côté comme ça, ça marche aussi. Ici pipe, on peut monter là, ou encore plus simple, on vient sur ces pots là, sauter ici. Voilà, on a encore accès au toit. Ici pipe. Ils sont vraiment importants ceux-là. On monte ici et on va venir choper le coin. Alors ce toit là il y a plusieurs moyens, on peut venir par ici. Soit copier ou soit longer dans le coin. Ou vous venez ici. Vous passez ici et hop. Vous avez accès. Alors, pour monter sur cette maison là, on passe par le muret. Et on vient sauter, se longer ici directement. Pas besoin de se monter. Alors dans ce complexe là, il y a pas mal de choses à montrer. Ici on peut monter là, se longer par exemple là. Vous pouvez pas aller plus loin, vous pouvez pas aller là. Ici, se longer, on vient là directement. Ou alors on pouvait passer par la brouette. Ici, se longer, soit copie, peu importe, on arrive sur ce toit là. On peut aller jusque là, on peut monter aussi sur ce toit ici. Hop, soit copie, soit longer, on va sur le toit. Là. Ici on peut glitcher la fenêtre, mais j'ai passé par là, donc on monte sur ce mur là, on saute dans ce coin là, saut accroupi, saut longé dans ce coin là, et ici. Ah mais j'ai dit des bêtises, on peut même pas passer par la fenêtre des manoirs, donc c'est le seul moyen. Hop, on saute. Bon bah là très simple, hein, la petite maisonnette, on vient ici, et puis on arrive direct sur le toit. Ici, une bonne pause pour tenir la plaine, on peut venir sur ce mur là. On s'allonge ici ou on peut passer là dans ce buisson là. Alors. Ici. Tac, tac. On peut venir sauter ici, mais vous serez bloqué. Vous serez limité à ça. Vous pouvez pas vraiment faire plus. Juste à côté, vous pouvez venir sur ce mur là et sauter et vous allonger là. Vous pouvez pas aller plus loin. Alors, à partir de ce tas-là, on peut monter sur le mur juste devant, si vous voulez vous barrer. Les échelles, on peut les one-shot comme ça, on peut monter sur ces petits trucs-là. Ici, on pouvait passer par le pipe et monter sur ce toit-là. Et pareil là, pipe, petit toit. Alors, j'avais oublié, mais là, il y a un toit qu'on peut monter. Ici, brouette. C'est possible de monter à partir du banc ou de au dépôt. Et ici soit accroupi et au coup c'est sur ce là. Une petite maisonnette avec la brouette comme dans les autres vidéos, on vient sur le côté comme ça, tac, on peut monter. On peut monter aussi là, sur ce petit toit.
toi là. On vient. Tac. On peut monter directement sur ça. Et bon, ici, se recroupir ou se longer. On est sur ce petit. Pour monter sur celui-ci, on vient sur les palettes ou sur le muret. On prend un petit peu d'élan, on saute. Et hop, on est sur ce toit là. Qui est très fort pour contrôler ce point là. Putain. Voilà. On peut contrôler le point comme ça. Voilà, sur ce point là, on peut venir ici. On peut sur ce mur là. On peut sur cette maison. Et ici, on peut venir sauter, s'allonger sur cette maison. Bon, sur ce point là, il n'y a pas grand chose à montrer. Je vais remontrer cette maison. On peut venir là. Sauter et s'allonger sur cette palette. Sauter sur les blés. Se mettre bien à droite et sauter sur le lampadaire. Et vous êtes au plus haut possible, vous pouvez pas faire autre chose. Alors checkpoint, il y a pas mal de trucs à montrer déjà. On peut venir ici, on monte là. Après on peut venir monter là. Vous pouvez venir aussi là et sauter allongé ici. Et on est sur ce toit là, en premier. Ici vous pouvez sauter accroupi pour passer par la fenêtre. Les palettes en bas, vous pouvez monter sur la serre. Ici, le glitch de la fenêtre est fonctionnel. S'allonger, maintenir l'espace, je recule. Hop. Là sur le toit. Alors ici, vous pouvez sauter, enfin vous pouvez faire le glitch de la fenêtre, mais vous pouvez surtout monter en faisant juste ça comme ça. Soit accroupi, hein. Soit rangé. Et hop, on est sur le toit. Okay. Alors cet endroit sur la map, on peut venir sauter et s'allonger directement dans le coin là. Et on peut monter sur le bord de cette maison, on peut pas aller plus loin. Mais ça donne une bonne vue. Alors de ce côté de la map, il y a un passage, vous pouvez passer directement là comme ça en enfonçant espace donc de cette bosse au muret, et vous pouvez monter dans cet arbre là pour contrôler le point. Et si vous êtes dans l'autre sens, vous venez là, vous faites un petit pas sur le côté comme ça, vous allez être un peu en hauteur et pareil. Bon, là il y a une petite maison en ruine, hein, c'est très simple, vous pouvez venir comme ça, poser une batteuse là sur le truc en bois, poser une batteuse ici sur le truc en bois. Alors, ici, il y a un bush, on monte là, et ici on saute, on s'allonge sur le truc en métal. On est sur ce petit truc en métal, ça peut vous servir, on sait jamais. De ce côté là, là on a ça, on chope sur le côté, puis on peut avoir accès au stall. Alors une autre maison sur le bord de map, ici vous pouvez venir monter là, hop, ici vous vous mettez sur ça, s'allonger dans le coin gauche, et hop. En fait, le but c'est pas de se faire projeter. Et vous arrivez encore sur ce toit là. Il y a une petite maisonnette comme ça au QG, je vous remontre. Tac. Saut tout simple sur la. Sur les pieds de la brouette. Et vous pouvez monter facilement. Alors sur ce point là, le seul truc que vous pouvez monter, c'est ce toit ici. Donc en montant là, saut allongé. J'y arrive pas. Voilà. Ouais, en fait, il y a aussi celui-ci, s'allonger, tac. Petit rappel pour les débutants, cette ruine, vous pouvez la monter comme ceci, ici, là, ici, vous pouvez monter sur ça aussi. Attention, vous allez vous brûler, ici, vous prenez sur le côté, tac. Et pour dans ce sens là, il faut sauter et s'allonger ici, sinon vous serez bloqué. Sur ce bord de map, il y a ça, s'allonger sur le petit bois. Ok. Bon. Vous avez accès à une petite décale. Alors sur ce point là, pour rappeler les camions, il faut les prendre sur les côtés, donc par devant. Monter sur ce toit là.
près du QG. On peut monter là. Il y a un mur. Ici pour monter sur ce petit toit, c'est très simple. Donc là, c'est juste un saut. Hop, on est sur le toit. Pour monter sur celui-ci, il y a un glitch. Le glitch de la fenêtre. Sinon, ici. Sinon, comme ça. Tac. Là vous êtes sur le temps. Si vous voulez pas vous faire chier, vous faites le glitch de la fenêtre ici. Pour l'autre côté, vous pouvez pot de fleurs ici. Saut là, dans le coin. On vient là. Et on est sur le toit aussi. Vous pouvez vous faire chier, vous pouvez passer aussi par les boutons. Juste pour info, start au QG, ce toit là, si vous mettez un camion là, vous pouvez monter assez facilement sur ce toit là et ici pour défendre l'artier. De ce côté de la map, il y a le petit truc en métal très simple, on vient à copier sur le petit bout de bois et hop, dessus. Ok, alors sur ce point là, on peut monter sur le toit. Donc, on fait un saut ici, putain décidément. Tac. Et on vient sauter sur ce point. On a accès au toit. Alors, ici près du QG. Toujours le glitch de la fenêtre. Sur la longée. On recule. Et tac, on est sur le toit. On voit les camions partir. Pour rentrer, je remonte. Saut allongé, on maintient espace, on recule, ça va nous volter normalement. Bien sûr, ça va pas le faire. Dernière petite chose ici, on a une brouette, si jamais vous voulez contrôler la plaine. Donc vous prenez les pieds de la brouette. Un truc tout simple, pour les avions, il faut venir les prendre là. Ici. Sans courir, comme ça vous passez pas par au-dessus. Pour contrôler le bord de carte ici, vous pouvez venir sur cette maison. Montez comme ça. Hop, vous avez accès au toit. Alors, team du mid, on peut venir sur ces barrières là. On va venir ici longer. On va sauter ici, hop, dans les arbres. Alors, par exemple sur cette plaine, on va venir sauter sur le morceau de bois là. Et on va venir sauter ici. Et hop, on a accès à tout le champ. Alors, ici, on peut venir monter sur ce bout de bois là. Donc, on fait un saut sur le bout de bois. Et après, on va venir sauter contre les. Hop, comme ça. Voilà. Toujours dans la même petite haie. On vient sur ce bout de bois. On va monter sur le côté droit. On se met un peu à droite. Et on va venir essayer de monter. Hop. On va finir par y arriver. Toujours les barrières. Hop. On est en hauteur. Pareil sur la haie juste en face. On vient là dans le coin. Et on essaye de monter sur le côté. Il y a un petit truc à choper. Voilà. Alors au niveau de ce planeur, il y a un petit truc sympa. On vient là. On monte sur l'avion. Et ici, on va venir sauter, s'allonger. Dans cette haie. Et voilà. On est dans la haie. J'en profite qu'il y en a un devant moi. Ces trucs là, pour les monter, souvent il faut sauter et s'allonger. Des fois ils proposent une bonne visibilité. Hop.
Bon là il y a rien mais des fois ils sont derrière des... Imaginez que vous arrivez là, vous pouvez monter sur cet arbre là, tac. Et vous pouvez contrôler cette plaine là comme ça. Alors, sur ce point là, se longer sur le gros truc en bas. Une fois qu'on est là, on vient sauter dans l'arbre. Une fois qu'on est là, on peut venir sauter dans cet arbre là, il me semble. Voilà. Ça c'est un glitch. Pour les haies comme ça, qui sont dans des points, vous pouvez transpercer les buissons, pas besoin de passer par des chemins. Alors ici, on peut venir là, monter, sauter dans ce petit arbre là. Et là on va venir sauter dans cette haie. Pas comme ça. Tac. Donc on vient dans le buisson là. Tac. On va bien. Alors ici on peut monter les haies. Tac. Hop. Une petite vue sur le cimetière, on en a une autre juste là. On peut monter là. Hop. Juste à côté on peut aussi donc monter là. On monte juste à côté là. Ici. Pareil, barrière en bois. On monte dans les. Encore à côté. Pareil. Encore une idée, on peut monter. Il y en a pas mal dans ce coin là. Toujours dans la même lignée. On monte sur ça. Se longer, hop, et là on va venir sauter là. Et voilà, on est dans la roue. Alors ici, on peut venir là dans ce petit truc là. Tac, et ici on va venir sauter. Et hop, on a une vue sur le champ de maïs au sud du cimetière. Alors, ici on peut venir sur ce truc de bois. On vient sauter dans la haie. Ok, alors ici, on peut venir sur les barrières là, sauter sur ce truc en bas. On va venir un peu comme ça. Et là, on va essayer de sauter au bord de la haie. Et hop. Oh putain. On l'a pas pris. Donc là, on vient, on saute sur le truc en bas. Et là, on va essayer de sauter à droite de la haie. Et voilà. Ok, de l'autre côté, barrière, on vient sauter là. Toujours dans le même haie, on vient là, hop, on peut venir sauter là. Et hop, on est en hauteur. Alors. Dans cette haie, on peut monter ici sur le bout de bois et après on peut re-sauter dans les. Mais du coup, on peut le faire aussi de ce côté-là. On vient là. J'arrive plus. Bah. Voilà. Et là, on va sauter dans la haie encore une fois. Alors là il y a un petit arbre comme ça, on peut venir là, sauter comme ça sur l'arbre, et là on va re-sauter en avant. Donc comme ça, ça nous approchera pas les trois je pense. Voilà. Alors juste à côté là il y a un passage, donc on peut venir monter là. On peut monter sur cet arbre là et surtout on peut ressortir de l'autre côté. Il y a un trix aussi pour passer là mais j'y arrive une fois sur 20, ça me saoule. Mais en gros on peut passer aussi de ce côté là. Alors ici, on peut monter sur cet arbuste. Donc on est caché.
Ici, il faut monter sur, sur le panneau. On soit accroupi sur le premier set là. Donc on ressaute au-dessus et là on va venir sauter tout comme ça. On a toujours les arbustes comme ça, on peut les monter, on soit accroupi là. On va venir sauter là en avant. Bon, j'y arrive plus. Non, on saute, on s'accroupit un premier temps dans le creux. Voilà. Et là on saute. Là, on est au-dessus. Alors à ce croisement là, on peut venir ici. Donc on va sauter dans le premier buisson. Putain, il le prend. Ok, je suis la première partie. Donc là on va essayer d'aller le plus haut. Voilà. Là on va sauter tout droit dans cette... Alors toujours dans ce coin, il y a un petit arbuste, on vient là. On saute en avant. Ces arbres là sont assez chiants. Voilà. Et puis on peut monter tout en haut encore une fois. C'est toujours utile. Au niveau de la route ici, on peut venir sur dans ce T, si vous voulez vous cacher. Alors au niveau de la rivière, on peut venir... on va venir sauter sur les bouts de bois là. Et après on va juste sauter dans les... Hop, on est caché. Parfait pour défendre le point. Alors toujours au niveau du croisement là. On peut venir ici. Et là on va sauter au niveau de cet arbre. Un peu comme ça. Bon, il m'a volté mais... On peut venir re-sauter dans ce tuyau là. En fait le petit arbre était accessible. Ouais voilà, je suis dessus. Donc cette haie là est accessible et cette petite arbre là. Au niveau du point là, il y a cet arbre là que vous pouvez monter. Mais vous pouvez pas aller en face, ça bloque à chaque fois. Donc cette partie là. On vient là et on peut monter dans cette position. Passage juste à côté dans ce, vous pouvez venir sauter là et vous avez une bonne ligne. Toujours le même principe, on vient là. Sur ce coin de la map là, le trou, vous pouvez passer là, ceux qui savent pas. Il faut arriver à sauter dans ce lieu en fait. Tac. C'est pareil dans l'autre sens. Vous voulez liner par au-dessus de ça, vous pouvez venir monter là. Et vous allez monter dans cet arbre là. Tac. Là vous avez une petite vue si ça push là. Alors ici vous pouvez venir passer au niveau de ce, cette. Et là, s'allonger là sur le rebord et vous pouvez passer. Alors ici, on va venir comme ça. En maintenant espace, vous volte au niveau du mur au lieu de passer par la porte. Et vous pouvez passer ici. Au niveau de ce point là, vous pouvez venir sur cette barrière et vous allez monter sur cette... Pareil dans l'autre sens. Alors ici, dans cette allée là, vous pouvez monter sur cet arbre là. Donc vous venez une première fois là, ensuite vous visez cet arbre. Il faut essayer de qu'il vole dessus quoi, sans vous faire tomber. On n'en survive plus. On va se allonger, ça marche aussi. Voilà, on est dans l'arbre. Pas une bonne vue, mais vous pouvez vous cacher. Alors, ici. Encore un arbre. Vous venez là, vous sautez sur ce côté là. Vous êtes en haut. Vous allez dans le buisson d'à côté, mais vous serez vite limité. Alors, là, vous venez droit comme ça dans, dans la haie, et là, vous allez chercher l'arbre, et après vous allez monter vers la droite.
Voilà. Juste à côté, il y a encore un arbre comme ça. Vous pouvez venir là. Soit accroupi entre les deux. Vous pouvez contrôler la plaine. Et une cuve, je remonte pour les débutants. Donc, vous visez le côté gauche du bout de bois. Vous y allez en marchant, pas en courant, c'est plus simple. Saut allongé au dernier moment. Et une fois que vous arrivez là, vous venez ici sur le bout de bois et vous sautez en avant. Ah ouais, un petit truc aussi. Vous pouvez vous faire tirer en fait à travers sur la moitié de la cuve. Comme un arbre. Donc, on vient là. On fait un saut allongé, c'est plus simple. Tac. On va au bout. Et hop, vous êtes dans le buisson. Il y en a encore un juste à côté. Donc, on est là. Sur ce morceau. Se longer. Et là, c'est bloqué. Donc, re-se longer. Yep. On est en haut. Alors, ici, c'est pas mal. Vous pouvez venir ici. Sauter une première fois dans ce lieu-là. Et re-sauter une deuxième fois ici. Là, vous contrôlez toute la plaine. Donc, là, il y a un pixel à choper. Voilà, je suis dessus. Je me mets bien droit. Et je re-saute. Et là, on est dans le buisson. Ouais, juste à côté. Et merde. Donc, on essaye de choper le truc. Ah putain. Il n'y a pas beaucoup d'angle donc je suis dessus. Je refais un saut. Encore sur la même lignée, vous venez là, choper le pixel, hop, je l'ai. Ah, je l'ai plus. Je l'ai. Et là vous allez ressauter. Tac. Et vous êtes caché. Alors ici, on peut re-sauter dans l'air, on va être vite bloqué par l'arbre. Bon, ça fait une petite... Encore un arbre en Y, donc on vient sur cette partie-là. On va sauter, s'allonger. Et on va re-sauter, s'allonger pour repasser la deuxième étape. Hop, on est dans l'arbre. Et au niveau de ce croisement de ce point là, vous pouvez venir là et re-sauter dans ce truc. Toujours au point. Ici c'est un peu comme sur SME. Sur Hospice, vous venez sur le livret et vous re-sautez dans l'air. Je vais vous montrer après. Bon alors là, QG mid, vous pouvez venir sauter ici. Vous allez sauter une première fois. Alors, vous avez pas grand chose mais vous pouvez vous cacher, vous pouvez sauter là. Voilà, au niveau du bord de la map là, je sais pas trop si ça vous sera utile mais je le montre. Vous pouvez monter sur cette là. Vous pouvez monter aussi sur celle-ci. En fait vous pouvez presque toutes les monter, je vais les faire en un rush. Donc voilà, c'est toujours le même principe, on vient, on se colle. Sur le bord de map, on peut tout grimper. Je sais pas si on peut ici, non, c'est ce que je sais. Ici on peut pas, mais celui-ci on peut. Hop là. Bon, voilà, toujours le même principe.
Alors là, en sortie de QG, si vous devez défendre ce point-là, c'est assez intéressant de venir dans cette mission-là. Et vous n'avez pas de soi à faire juste à monter comme ça. Là, on a un petit spot. C'est toujours pareil, hein. C'est les petits arbres en Y comme ça. Alors, toujours en bord de map, vous pouvez venir là. Donc, vous allez sauter sur ce truc-là. Ok, voilà. Et là, vous allez ressauter dans la haie. Une sortie de QG. Alors au niveau de ce coin là, on peut venir ici, on va venir là, et là on va essayer de sauter sur l'arbre. Bon là, il nous a volté trop loin. Alors, il va essayer de se volter sans qu'il nous éjecte. Voilà. Parfait pour défendre si vous êtes en défense. Pour la map, ici, tac, ouais, tac, et ouais, pas comme ça. Je vais trop vite. Voilà. Et si vous attaquez ce point là, que vous venez là comme ça, et que vous ressortez dans cet arbre là, vous êtes dans la haie. Pareil, vous attaquez ce point là, vous venez ici, montez sur ça, et hop. Bonne vue. Alors cette haie là, elle est full grimpable. Donc, dans ce sens là. Il y a un entre-deux là où on peut aussi monter, ici. Donc dans les deux côtés, gauche ou droite. Tac, de ce côté-là ou de ce côté-là. Et ici aussi, quand vous arrivez, vous pouvez monter. Et ici, c'est pas très connu, mais il y a un passage. Plutôt que de galérer là, vous faire attendre. Vous pouvez passer comme ça. Les mêmes haies que juste avant, on peut venir là, sauter là, dans ce sens là, et à l'inverse aussi, vous pouvez venir sur cette barrière, et sauter, sauter. Alors sur ce point là, il y a une planque, c'est là, tac, vous pouvez monter, et vous êtes caché dans ce bush, okay. Vous pouvez le faire aussi à partir de ce côté là. Et si je dis pas de conneries, ce buisson est aussi la même. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous pouvez complètement transpercer. Ici, on peut venir monter sur le bout de poêle qui est dans le buisson. Et venir ici. Pour réguler la plaine. C'est vraiment des bonnes planques, hein. Vous n'avez pas une vue. Une autre qui est pas mal pour contrôler la plaine, c'est celle-ci. Toujours la barrière. Okay. Et vous sautez droit dans la haie. Contrôlez le bord et la plaine. Alors, on arrive d'hospice. Donc, ici, il y a un arbre. On peut grimper. Ouais, il faut y arriver, hein, c'est jamais chiant. C'est toujours chiant du premier coup. Et hop, petit contrôle de plaine. À hospice, ici, il y a une barrière en bois. On peut venir monter comme ça. Et voilà. Dans le buisson. Le meilleur sur hospice c'est celui-ci, donc muret, et vous allez venir sauter dans là et là. Et là vous êtes complètement caché, vous pouvez contrôler le bord de map, rester caché sur le point. Alors ici, il y a la route. Soit accroupi sur le bout de bois, et saut dans l'arbuste. Voilà. Alors au niveau d'hospice, vous pouvez venir monter sur cette barrière et sauter là dans la. Ici, il y a un truc, ça pas très compliqué. Vous sautez sur la barrière en bois, vous venez sauter là sur le plan. Tac, et vous êtes sur le plan. Vous pouvez venir vous cacher dans cette. Alors, de ce côté de la map, on peut venir sur cette barrière. Et on va venir essayer de grimper dans le buisson là. Comme ça, sauf qu'on n'a pas envie de se faire volter. Putain, il y a rien. Si vous passez de l'autre côté, c'est dead, quoi. Donc, saut sur la barrière. Vous venez sauter sur la haie. Hop. Ressauter. Et vous arrivez ici, où il y a un mur invisible.
pourrais pas faire grand chose. Juste à côté, il y a encore un arbre en Y là. Soit allongé dans le Y là. Rose soit allongé. Et hop, on monte.